Bienvenue dans Guillaume Radio sur Énergie. Allez, sur Énergie avec notre nouveau jeu qu'on a fait à l'instant qui s'appelle. Ouais. Qui est très difficile d'ailleurs à vivre. Ouais. Poteau, oui. Escroc. Ah ouais. C'est chaud. De la peine un peu. On va avoir Miss France dans quelques minutes. Et on se fait l'énigme aussi juste après là. Ouais. L'énigme, on vous offre des cadeaux sur Énergie. D'abord, il y avait Hassan, 28 ans de Marseille, qui a appelé là au standard. Salut, tu m'entends, Hassan? Oui, ça va et toi? Ça va, frérot? Salut, mec. La chasse. Il y avait deux minutes un Marseillais qui est venu pour le poteau escroc. Et d'ailleurs, inscrivez-vous demain pour le battle de l'humour. Ouais. Ah, ouais, allez, venez défier Julien Stagiaire. Ah, on va lancer deux blagues à l'antenne, vous venez le défourailler. Et c'est vous qui allez voter. Venez prendre une victoire demain. Mais oui, il y a des grâces. Je pense qu'il y a une place à prendre, il a plus de blagues. Elle est facile, défaite. Vous inscrivez pour balancer deux blagues. Les gars, venez faire de la radio avec nous, on rigole. Vous envoyez Guillaume un espace et battle, B-A-T-T-L-E. Guillaume, un espace battle avec votre numéro au 6-11-12. Fares du Standard rappellera 100% des messages demain. Demain, ouais, promis. On rappelle vraiment tout le monde et tout, les uns après les autres et tout, avec plaisir. Alors, tu devrais mettre un voyage au soleil pour pimenter le jeu poteau escroc. Oh là là, on a demandé à la régie publicitaire de. Escroc direct. Ah ouais. Bah ouais, les deux sont. Un voyage, moi je réfléchis même pas. Et les deux sont. Ah bah là, ouais. Ah ouais. Putain, alors, Hassan, tu fais quoi dans la vie à Marseille, poteau, toi? Je suis un artiste. Ah bah très bien, écoute. Hein, salut, mec. Un artiste, tu chantes? Oui, je chante. À la base, je suis danseur. Donc après, je me suis mis dans le chant, je joue un peu de guitare. Ah d'accord, ah, bien. T'es complet, polyvalent. Quoi, t'es complet. Et comment tu t'appelles alors en tant que chanteur? En tant que chanteur, je m'appelle Tchébos. Tchébos. Ouais. Et t'étais alors, toi, en Guinée, je crois, c'est ça, pour faire la première partie de Maître Gims? Oui, oui, c'est ça, avec mon groupe Black Jackson. Alors en fait, tu t'es inscrit par message et tout au standard Odinette, t'as rappelé tout à l'heure. Ouais. Et en fait, elle me dit, putain, il y a un gars, c'est hallucinant, elle était comme une ouf. Ah ouais, vraiment. Dès que tu chantes, il paraît que t'as la voix. Mon dirait lui. Mais il paraît que c'est vraiment énervant, tu vois pas la différence. C'est vrai, même un truc de dingue. Ah ouais. Mais lui, il te l'a pas dit, Maître Gims, quand t'as fait sa première partie? Ben en fait, on n'a pas eu l'occasion de se voir, puisque moi, quand je faisais sa première partie, il était pas encore arrivé. Vous voyez, donc il était en route en fait. Ah oui, d'accord, vous croisez sur. Voilà, on n'a pas eu la chance de. Voilà, ah, c'est ça. Voir. Ouais, je vois bien. Salut les gars. Vas-y, Rémi, un auditeur belge qui te suit depuis que tu as commencé en Belgique. Hey, gros bisous, les gars. Tu pourrais dire à mon fils Arthur de dormir. Il a 13 ans et demain. C'est quoi? C'est pour lui mettre la honte, morte de rire, mais il fait ce qu'il veut. Salut Arthur. Salut frérot. Salut. Hey, t'inquiète, va pas dormir, on s'en fout. Hein. Ouais, écoute la radio. Reste avec nous, frérot. Écoute la radio, c'est la vraie vie. Il y a que là que c'est la vraie vie. En tout cas, Hassan, tu peux nous montrer deux secondes en chantant pour voir juste 10 secondes ce que ça donne ta voix en mode Maître Gims? Avec la guitare ou pas? Ouais, comme tu veux. Bah, je sais pas déjà. Si on va bien l'entendre. Ouais, la guitare, la voix. Ne me demande pas la lune, c'est beaucoup mieux pour toi. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Attends, et t'as la guitare? Oui, j'ai la guitare. Ah vas-y, fais-nous 3 secondes. Fais-nous 3 secondes pour voir. Le sosie vocal de Maître Gims. Belle voix, hein. Oh là là. Ne me demande pas la lune, c'est beaucoup mieux pour toi. Mes mains sont lourdes parce que j'ai beaucoup ton regard gris pour moi. Que dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard gris pour moi. Que dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Oh, 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 oh. Vachement bien, bravo. Ça y est, Odo, tu me l'as retourné. Ah ouais, moi, non mais t'as du coffre en fait. J'adore. C'est ça, c'est une grosse voix. Parce que tu peux toujours trouver un petit détail. Et tu dis non mais en fait, en vrai quand tu fais, en fait tu te dis là avec des chœurs sur une scène. En plus c'est juste. Ouais. Hein. Ah ouais. Avec une petite instru. Ça serait marrant. La prochaine fois qu'on a Maître Gims, on t'invite si tu veux. Ah ouais, ah oui. Ah tu viens. Ce serait l'idéal parce qu'en fait moi j'ai cherché à le voir, j'ai cherché un producteur, voilà quoi. Ouvre la fenêtre, chante, il va t'entendre. C'est vrai que t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Ah bah ouais, grave. Eh bah, félicitations Hassan. Tu veux faire une petite dédicace mon frérot avant de partir? Merci quand même. En tout cas, de toute façon, merci pour tout ce que vous faites, vous. Et merci. Oui, parce que sans vous, nous on est rien. Et nous, on cherche des producteurs, on cherche des relations. Et vous êtes là pour ça. Bah nous, on essaie de rendre service, frérot. Bah oui. Ouais. Voilà. Je vais te dire, et à chaque fois, on se dit radio, c'est vrai que c'est fermé.
Moi quand, c'est vrai, je viens de Perpignan, je lui dis, il y a jamais personne qui m'a ouvert la porte. T'as l'impression que c'est des bunkers, les radios. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, ouais, nous, on est un peu le trou dans le bunker. C'est la vérité, en plus. Des intrus. Je pense qu'on est la seule émission tellement ouverte. C'est-à-dire que vous me passez un petit coup de fil ou un mail l'après-midi, je vous répondrai. Et à chaque fois, il n'y a pas de problème. Hein. On est toujours là pour essayer de filer des coups de main, des stages, des trucs, du boulot. De toute façon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai ce côté Maître Gims à moi, cette voix opéra et tout, mais j'ai aussi mon propre thème vocal. J'ai mes styles de morceaux qui n'ont rien à voir avec Maître Gims. Donc, ah bah voilà, oui, non, mais bien sûr, c'est ce que je disais avant, t'es un artiste, t'es dans ton truc. Voilà, donc un artiste à la recherche d'un producteur, d'une structure et tout. Voilà. Ah bah très bien, bah vas-y mon frère, bah écoute, si jamais il y a quelqu'un qui t'entend, on transmettra ton numéro direct. Avec plaisir. Ouais. Bonne chance. Ça marche. Ok, merci Hassan. Bah avec plaisir, mec. Tu gères, avec bravo. Grand plaisir, frérot. Gros bisous à toi. Bravo. Et bon courage. Salut. Et tout. On se fait l'énigme juste après et on va retrouver Mélanie, 25 ans. Bonsoir Mélanie aussi. Salut tout le monde. Salut Mélanie. Salut Mélanie. Allez. Ça va ou quoi, Mel? Tranquille. Tu fais quoi dans la vie, Mélanie? Là, je suis à la recherche d'un emploi. Dans quoi? N'importe, je m'en fous. Ouais, c'est bien. T'as raison. Je sais pas, t'as des qualités ou pas du tout, genre? J'ai fait un bac pro agricole, mais bon, dans la région parisienne, on peut pas dire que ça serve beaucoup. Ouais, d'accord. Alors, c'est toi qui t'es fait arrêter aux États-Unis avec ton père parce qu'il fumait dans l'avion. C'est pas moi, c'est lui. Hein. Ah, c'est lui. Ah, ouais. Pas de solidarité. Hein. Pas de solidarité. Ah, ouais. Le daron, il se fait arrêter, tu fais genre, c'est pas ton père. Tu restes assis sur le fauteuil. C'est qui? On va en parler après, justement. Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter? Je vais essayer, tu nous as pas raconté. Ouais, j'ai plein de choses. L'anecdote dans l'avion, on en parle juste après. Maëva Cook a traversé beaucoup d'épreuves. Dur les uns que les autres. Mais il lui manquait l'ultime. Guillaume Radio. Ce soir, Guillaume Play reçoit Miss France 2018. De 20h à 23h sur Énergie. On se fera Eminem et Beyoncé après avec Walk on Water, Dadju. On est en pleine élection, Miss Guillaume Radio. Ouais. Ah ouais. Avec Maëva Cook, Miss France, qui va nous aider à choisir, qui va vous aider à choisir. Je suis en train de vous mettre la photo sur l'Instagram d'Énergie et le mien, Guillaume Play, PLEY. J'ai voté pour Maëva. Et sa première dauphine aussi, Miss Corse. J'ai longtemps hésité et j'ai fait mon choix au dernier moment pour Maëva, Gilles Routier de Narbonne. Je le remercie. Bisous. C'est rigolo, ça, parfois tu croises des mecs dans la rue qui disent « Ouais, j'ai voté pour toi, là, là, ça arrive ?» Oui, les gens me le disent. Ah, c'est vrai. Quand ils n'ont pas voté pour moi, ils ne me le disent pas. Mais... Non, ouais, bah, forcément. Ouais. C'est marrant, ça. C'est jamais arrivé, quelqu'un de pas forcément bienveillant dans la rue qui dit ouais, bon bah. Qui t'aime pas. Ouais. Ouais, non, pas qui t'aime pas. Préférais une autre. Est-ce que ça arrive, des gens un peu bêtes et méchants comme ça? Qui me le disent de visu, non, mais qui me les disent sur les réseaux, bien sûr. Ah, bah, oui, c'est vrai, c'est normal. J'en ai à l'appel, oui. Ouais, tu méritais un pas. Un tel était mieux, machin. Ah, c'est vrai. J'en ai plein. En plus, il y en a qui doivent connaître certaines miss. Oui, forcément, la famille. Forcément. Non, c'est rigolo quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un monde c'est à part. Rigolo, non mais c'est vrai. Bah non, mais oui, c'est vraiment comme ça pour l'extérieur. Jordan, détends-toi sur les meufs, tu es en couple, signe un mec chaud. Il est en train de lui casser son. Ah ouais. Mais non. Salut à 3ème 1 du collège Jean Zé à Ulm. Au Ulm. Salut les gars. Bisous. Alors, salut. Nous avons salut. 3 filles avec nous. On va faire un jeu qui va être très simple pour élire Miss Guillaume Radio. On va faire un truc très simple. Je prends les vraies questions qui sont passées au questionnaire Miss France. D'accord. Maëva, tu as vraiment répondu, toi? Ah oui, bien sûr. Du coup, il n'est pas si facile que ça. Il y a une partie qui est facile, mais il y a des questions plus difficiles. Pas... Tu te rappelles de ta note ou pas, toi? Ah non, je l'ai pas eu ma note. Ah, il la donne pas. On l'a normalement à la réunion des délégués en janvier. Ah ok, c'est mort. Alors il y a d'un côté Cécile, Audrey et Victoria. Vous pouvez enlever, tu peux enlever le casque, Cécile, parce que comme ça vous allez tourner vite. Hein. Je vais vous poser une question. Chacun votre tour, vous avancez et vous répondez à la question. La première qui a 3 points a gagné. Bonne chance. Je prends les vraies questions. Je prends les vraies questions. C'est ça, c'est juste pour la première épreuve et ensuite elles feront leur petit discours. En quelle année? C'est parti et c'est pour toi, du coup, Cécile, pour la première question. En quelle année Paris organisera-t-elle les Jeux Olympiques? 2024, 2028 ou 2020? 2024. C'est une bonne réponse pour Cécile. Merci beaucoup. Tu peux te reculer. Audrey, quel est le nom de joueur de foot qui a été le plus gros transfert entre deux clubs en 2017? Ronaldo, Neymar ou Griezmann? Neymar. Putain, mais ils sont fortes. Ah, mais Neymar, c'est facile. Attends, ça va vite. Quel est le nom du Premier ministre français au 1er novembre 2017? Christophe Castaner, Edouard Philippe. Bravo. Comment s'appelle le Premier ministre britannique, Cécile? Theresa May. Bonne réponse. Ouais. Eh, c'est pas mal, hein. Ah bah ouais, bien joué. À 2 points près, alors, ça commence la question. C'est chaud là. Quel est le taux de chômage de la population active en France? 8,4, 9,4, 7,4. 9,4. C'est une bonne réponse. Putain, bravo. Ils sont fortes là.
Et c'est un sans faute depuis le début. Ah ouais, ça change. Hein. Attention, c'est à toi, Victoria. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde de foot en 2018? Russie, Qatar, Espagne ou Brésil? On ne souffle pas. Russie, Qatar, Espagne. Oui, si. C'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Ah ouais. Non mais c'est pas un truc de fou. Elles ont révisé ou quoi? Mais elles l'ont fait. Parmi les pays suivants, lequel est le plus peuplé? Indonésie, Azerbaïdjan, Yémen ou Maroc? Voilà. On fait le vrai questionnaire Miss France, la première qui arrive. Indonésie, je dirais. C'est la bonne réponse. Wow. Wow. Ah ouais. Combien de pattes les araignées ont-elles? 4, 6, 8 ou 10? 8 pattes. Putain, mais c'est pas possible. Ah, ouais. Non mais attends, c'est un truc. 8 pattes. Dernière question. Quelle est la capitale de la Suisse? Stockholm, Genève, Berne ou Copenhague? Genève. Eh non. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Et ben, il y en a deux qui ont eu 3 points. Enfin. Cécile et Audrey, bravo les filles. Et bravo à Victoria, quand même, qui a 2 points. Alors, vous allez faire votre petit discours de 20 secondes. Ah, je vous ai mis les photos. Allez-y, hein, allez voir sur mon Instagram, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. Sur l'Instagram d'Énergie aussi, je vous ai mis les 3 miss ce soir. On y va, c'est parti. Ton discours de vraiment 20 secondes, hein, Cécile, rapide, d'accord? Vas-y, prends le micro. Hop. Présentation, mais une phrase forte. Ouais. Ah, c'est ça? Oui. Coach Maeva. On se présente et après on. Elles veulent vraiment devenir miss. Hein, donc, okay. Attention. Ah, tu l'as pas mis encore sur mon Instagram. Hein. Guillaume Play, P-L-E-Y. Elle y est pas encore, la photo. Faut la mettre direct. Je pense qu'elle est pas parue. Je vous la mets tout de suite avec les 3 miss. Attention, c'est parti. Cécile, on écoute ton discours. Donc voilà, je m'appelle Cécile. J'ai 22 ans. Et dans la vie, je suis ingénieure dans le domaine de l'électricité. Et si je prends la parole ce soir, en fait, ce serait vraiment pour encourager les jeunes filles à venir dans le milieu. À se lancer dans une carrière d'ingénieur si vraiment c'est leur rêve. Parce qu'on n'est pas assez de filles, on est 10% et du coup je pense que c'est voilà. Merci beaucoup, le temps est ouais. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, ouais. En fait t'es RH toi, t'es... Attention, c'est parti. Audrey, 18 ans. Attention, Audrey, 18 ans, on t'écoute, pareil, t'as 10 secondes pour convaincre. Donc je m'appelle Audrey, j'ai 18 ans, je fais des études dans la mode dans le but de devenir créatrice de mode pour faire des vêtements pour les gens défavorisés. Très bien. Ah bien, ah, c'est bien. Faut ouais. pas hésiter à sourire, les filles. Ah ouais, ouais. Mais elles sont stressées, les pauvres. Ah ouais. Non mais c'est surtout, c'est du divertissement. Ah mais oui. Et ouais. On est là pour rigoler. Ils te disent aussi de sourire de tout le temps, ouais. Quand tu fais l'élection. Oui, après, bon, on sait quand même qu'il faut sourire tout le temps à la télé. Hein. Non, mais genre, à l'élection, parfois, c'est abusé. T'es obligé de rester derrière. Oui, ah ouais. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a tellement de caméras sur le plateau qu'à tu tout sais moment, pas laquelle te filme. Voilà, ah ouais. Tu peux être prise à tout moment. Ah ouais, putain, c'est dingue. Allez, vas-y, Victoria, t'as 10 secondes pareil pour donner envie de voter pour toi. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis en sciences technologiques. J'ai comme préoccupation l'environnement et comme passion la mode. Et si ce soir je suis élue, eh ben, je ferai l'émission d'Énergie plus verte, plus écolo. Et plus suspensable. Bien joué. Beaucoup Cécile, Audrey et Victoria. Bravo. Alors Guillaume est 1 pour Cécile, Guillaume est 2 pour Audrey, Guillaume est 3 pour Victoria, pour rigoler. Hein, bah oui, ah ouais. On fera les bachelors, mais honnêtement, si jamais tu avais le choix de voter, alors on va pas, pas choisir comme ça si tu veux pas, etc. Mais honnêtement, si ou alors je peux dire le vote du peuple déjà. Ah oui. Ce que vous avez choisi par SMS et ensuite. Je te dirai si je suis d'accord. Et ensuite, voilà, exactement. Tu nous diras si tu es d'accord. Salut, dédicace à la team 4 d'Al au collège Louis Sandra. Salut les gars. Moi j'ai voté la numéro 2. Je crois que je la connais. Ah. Super. 3 pour la Miss Zako du 94. Tu vas m'obliger à venir en studio pour marquer un territoire, mon Jordan l'apprenti. Oh. Salut. Yeah. Bisous à la Miss de la part d'Eliott. Tu as un charme fou. Eh ben, gros bisous à toi aussi. Bisous. Dédicace à la 3ème A de Plaine Fougère en Bretagne. Gros bisous à tout le monde. Bisous. Guillaume est 1 pour voter pour Cécile, Guillaume est 2 pour Audrey, Guillaume est 3 pour Victoria. Qui est-ce que vous avez? La 3, je suis amoureux, mort de rire, Mathieu de la Ciotat. Salut Mathieu. J'ai l'impression qu'il y a une majorité pour la 3 pour l'instant. Ah ouais. Honnêtement, tu aurais voté pour qui? Alors honnêtement, j'aurais voté pour la 1. Ah bon? Ah ouais. C'est ça. Ah, est-ce qu'il y a une raison ou pas en particulier? Non, en général, juste on vote. Oui, puisque ben la pointée le fait qu'elles sont que 10% de femmes ingénieures et nous touché. On a une cause qu'on défend, le droit des femmes. Voilà, Et ben très alors bien. Alors voilà pourquoi le numéro 1. Et ben pour des raisons différentes. Ah ouais, pour ouais.
Merci beaucoup les filles en tout cas. Bravo les filles. Cécile, bravo. Audrey, Victoria. Honnêtement, Jordan Lapointi, pour qui tu aurais voté si t'avais eu le droit? C'est hyper dur en vrai. J'ai les trois qui me regardent ici comme ça. Oui, voilà exactement. C'était les jurys. Je sais pas, j'aurais dit Victoria, je pense. Victoria 3. Ouais. Très bien, j'ai un stagiaire. Ouais, Victoria aussi, elle m'a fait rire. Victoria... Avec son discours, franchement, elle était au-dessus pour le discours. Pour la blague de fin. Ouais. Jordan Lapointi. Est-ce que vous vous sentez concerné? De quoi? Bah que vous votez pour la 3. Ah oui, ouais, ouais. Ah oui, parce qu'elle a fait la 3, mais c'est ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, en fait. Elle a été forte dans le discours. C'est ça. Fares du standard. Moi, je suis à fond pour Victoria. Ah, il y a Team Victoria. Standard. Ouais, Victoria a très bien parlé, vraiment. Très bien, très bien. Victoria aussi, tu restes, merci beaucoup. La 3 a fait une bonne vanne de fin, elle m'a fait rire aussi, voilà, très bien. Ouais. Et ben merci beaucoup. Bravo. On peut dire, en vérité, attention, sur le nombre de votes, si je prends vraiment le nombre SMS. De votes par SMS, que la numéro 3 est élue. Tu peux lui mettre l'écharpe. Il y a l'écharpe, elle est là. Ah bah non, oui, c'est Maëva qui la met. Ah on oui. Lui, attends, on peut lui mettre. Je viens stagiaire si tu veux l'aider. Pas mal, je veux bien t'aider avec plaisir. Je sais pas comment la mettre. Bravo Victoria. Si tu veux l'aider de loin, bien sûr. Hein, je viens stagiaire. Attends, je viens stagiaire, il sait pas faire des pas. J'ai embrassé la vie déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Ah c'est bon. On fait clignoter les lumières. J'ai envie de pleurer. Et surtout beau. Bisous. Alors à la deuxième, à première dauphine Victor. Alors première dauphine c'est Cécile et bravo, deuxième dauphine Audrey. Bravo. Bravo. Bah, félicitations bravo à toutes les deux. Filles. En tout cas, bravo. On vous applaudit avec toute l'équipe. Bravo. Merci beaucoup. Je vote pour la fille qui vient de la Somme comme moi et tout. Merci beaucoup les filles en tout cas. Merci ouais. C'est très ouais, c'est cool. On se fait d'adjou après cette élection de Miss Guillaume Radio. Tu veux dire un mot Victoria, Miss Guillaume Radio? Je suis très heureuse. Ah, tu fais quoi dans la vie toi Victoria? Je suis en sciences technologiques en première. D'accord, ok, t'es en première. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu à toutes les trois. Merci beaucoup les félicitations. On en retrouvera peut-être une en Miss France dans quelques années. C'est vrai, ah, longtemps, puisque Cécile veut le faire et tout. On se fait d'adieu et juste après Rennes, trois bachelors vont essayer de draguer Miss France et nous dira qui est le meilleur juste après ça sur Énergie.